c'est génial parce que on peut faire voir que les sportifs, eh bien, ils ont un grand cœur et le grand cœur, c'est pour aider tout le monde. Et l'un avec l'autre, ça va très bien. T'es à 120. Voilà, tu te calmes un peu, t'as 91 de SAT, c'est parfaitement bien. Ben, au niveau des poumons, à partir de 3009, je commence à pas pouvoir respirer comme il faut. Ils sont beaux, ces Boliviens, c'est vraiment des sacrés personnages, très rigolos. La Boliviana a démarré. Au bout de la quatrième édition, on a des très belles équipes, l'organisation est au top. Je dirais que maintenant, les gens voient ce que représente la Boliviana et surtout tout ce qu'il y a autour. Le raid, je dirais la beauté du paysage, la nature, le soir, tous ensemble, je dirais, il y a une ambiance fabuleuse. Donc ça, c'est la vraie Boliviana. Et là, je crois qu'on est parti pour avoir une très, très belle course. Départ dans 2 minutes, s'il vous plaît. Départ dans 2 minutes. On est tous basés à la teammate, tout le monde est bon. Ouais. Voilà, et dès que départ, on mémorise. Bon dia, bon dia. Ça, on a des bas ramassés.
C'est long. Ouais, voilà, ouais. C'est, je crois que ça va être assez long. Si la porte, c'est 5 heures déjà. On est super surpris d'arriver troisième. On a gardé un bon rythme dès le départ, on a choisi de s'accrocher. Et comme ça, on s'est dit, on garde tout le même rythme. Par rapport à hier, on a compris un peu le système. Et en attachant les deux bateaux l'un derrière l'autre, c'était nickel. Voilà. Allez, à plus, ciao. On a pris uniquement les balises obligatoires, on a laissé tomber les balises optionnelles étant donné la barrière horaire trop juste. On a préféré se concentrer sur l'économie d'énergie et puis faire une bonne journée pour être frais demain. Voilà. De toute façon, les Boliviens courent trop vite pour nous, donc on va se contenter de garder le tempo derrière. On est ici, bah, on va partir là tout droit. On va y aller quoi. Hop, avec un PC 3 machin. Qui c'est qui a les cartes PC les gars? Attention! Gauche
on est 100 mètres hein, au-dessus de l'eau. Ça doit être ça. Oh, il faut redescendre au bord. Ils ont cuit, ils ont peur de descente et puis il y a un problème de CO et puis là bah, dommage, on était deuxième au PC2, mais c'est pas grave, l'aventure c'est aussi bien d'être devant que derrière, donc voilà, allez je vous les retrouver. Señorita, ¿qué tiene exactamente? C'est catastrophique, hein, c'est catastrophique. Tu as des gens qui viennent pour des pathologies qui durent comme elle depuis au moins 3 mois, voire plus. On a eu un monsieur tout à l'heure avec une infection au niveau d'un pied qui durait depuis 4 mois. Une question sanitaire vraiment, vraiment catastrophique. Quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont très demandeurs et je pense qu'ils écoutent après nos conseils et puis ils sont OK pour les soins qu'on leur prodigue. Donc ça, c'est positif. Ani walker ge, ani wani walker ge, ani walker ge. Samba al gestu arnal, nyinga bayi kongo nyongi gorsiyo. Samba al gestu arnal, nyinga bayi kongo nyongi gorsiyo. Ani walker ge. Tout ça c'est d'une école de Nice. Après des peluches pour les petits. Et après tout ça c'est calculatrice. Et après tout ça le reste c'est des fournitures scolaires, cahiers et crayons. Collé à 4 000 de l'eau de la tocoche.
On a dormi comme des petits porcinets, il a dit. Non, on a bien dormi, donc là, c'est bien, on a bien récupéré. Elle était fatiguée hier, elle avait passé une bonne nuit, elle part super bien ce matin. Donc là, comme si on n'avait rien fait. On n'a pas l'impression qu'on est à 4005 pour le moment, mais on n'a pas commencé à courir. Ce qui est important, c'est que le passage du col, il est sûr à 4990. Ça, vous allez en chier. D'accord ? C'est un conseil d'amis, je vous donne. De quoi ? Je ne sais pas compris. C'est pour ceux qui ont du mal, hein, ceux qui vont avoir un petit peu de mal à passer le col. Là, pour l'instant, on est en tête avec 1h49. Mais bon, tout est possible. Hein. Les Boliviens sont très forts, je le répète. Hein. Ils sont capables de tout. Hein. D'ailleurs, ils l'ont prouvé hier. Donc à nous de prouver aujourd'hui qu'on peut faire pareil et résister à l'offensive.